Je vois une fille qui est courte comme deux pommes, avec des membres qui ont du mal à se former, mais qui est toujours en train d'ouvrir sa grosse bouche. Ta bouche est plus visible que le reste de ton corps. Tu la fermes. Ok? Tu la fermes maintenant et définitivement. Tu la fermes. Et qu'on voit une petite fille avec un corps mal formé que j'ai envie de tirer, avec toi, ça ne sera pas la justice. Avec toi, je vais te donner deux, trois petites raclées en direct. Et si tu es trop fâché, on se croise quelque part, je te tire tes membres qui ont du mal à grandir, là. On dirait un petit garçon qui a du mal à se développer. Je te tire tes membres, là, je les tire. Espèce de laideur. Tu es une plaisantine, Louise Magosso. Tu n'effrayes personne. Ta stratégie marketing est basée sur quoi? Uniquement sur le buzz. Alors laisse-moi te dire que tu es une analphabète. Une analphabète de troisième niveau. Une analphabète de troisième niveau. Petite bipolaire. Tu es une pauvre d'esprit. Il n'y a pas plus pauvre lot que toi, Lolo Beauté. Il faut être pauvre d'esprit pour dénigrer le commerce des autres. Il faut être pauvre d'esprit pour aller se lever et faire des conneries sur la toile à dénigrer les gens. Il faut être pauvre d'esprit pour ne pas avoir les moyens de s'acheter des vraies marques et de porter du copier. Alors qu'on est un personnage public. Il faut être une pauvre d'esprit pour le faire. Il faut être franchement une pauvre d'esprit pour le faire. Il n'y a plus pauvre que toi sur cette toile? Non, je ne pense pas. Je ne veux pas que tu quittes les réseaux, Lolo. Je veux que tu sois toujours là. En ce moment, tout est fermé. Et moi, j'adore le théâtre. Et avec toi, pas besoin de payer un ticket de théâtre pour regarder un clown s'ambiancer. T'as un clown, girl. Avec toi, l'accès, elle est gratuite. Lolo Beauté, quand les gens vont sur ta page, ce n'est pas pour apprendre à faire du business. C'est à défaut de s'acheter un ticket de théâtre. On a envie de voir un clown gesticuler. On va sur la page de Lolo Beauté. Elle nous fait un spectacle propre et c'est gratuit. Tu es un clown, girl. T'as pas de sujet de conversation. T'es un clown et tu resteras un clown. Tu resteras éternellement un clown. Tu traites les enfants d'autrui de sachets bleus. Tu es mal élevé, en fait. T'as pas reçu d'éducation. Tu traites les enfants d'autrui de sachets bleus. Ils sont en train de te rendre ta gifle de merde, connasse, bitch. Ta richesse est dans ta tête, non. Moi, je veux juste être réellement riche. Je veux pas être riche dans ma tête, en fait. Je ne cherche pas forcément à dire que je suis maman, on a deux avions. Hé hey Lolo, essaie de garer un avion et achète-toi un cerveau avec le deuxième. Parce que t'es conne. Je te réponds pas parce que j'estime qu'on ne parle pas le même langage. Mais j'ose espérer quand même que tu as des gens qui sont proches de toi qui pourront te faire la traduction de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu me défends, tantôt tu me descends. Il faut choisir, t'es une bipolaire girl. Je veux pas être ton amie. Les gens comme toi, je traîne pas avec. Avec toi, je peux pas faire 10 minutes au téléphone, on n'a pas le même langage girl. La seule chose que tu sais faire, c'est traiter ton semblable de pauvre loup. Il n'y a pas plus flottant comme personnage que toi. Je t'ai dit, cette bouche que tu as devant est mieux quand elle est fermée. Elle est plus belle quand elle est fermée. Quand elle est ouverte, c'est de la grosse merde qui sort à l'intérieur. La prochaine fois que tu veux sortir mon nom dans ta bouche, fais l'effort de porter quelque chose que la marque, que la soi-disant marque sait qu'elle existe. Tu ne peux pas t'asseoir, dire Emmanuel Keïta une fois, Emmanuel Keïta deux fois, Emmanuel Keïta trois fois, pendant que ce que tu portes, Fendi n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Pendant que le sac que tu portes, Gucci n'est pas au courant qu'il a créé ce modèle. Il n'y a plus envieuse que toi, Lolo Beauté. Il n'y a plus menteuse que toi. Il n'y a plus menteuse que toi. C'est ça le vrai mensonge. S'inventer une vie, c'est ça. Oui, s'inventer une vie, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fake qu'une femme qui refuse de porter un beau H&M ou un beau Zara et qui veut faire comme une personne riche pour porter de grandes marques. Il n'y a pas plus fake. S'inventer une vie, c'est ça. Donc la prochaine fois que tu parles de moi, tu me fais d'abord rentrer ton ventre. Tu me mets un bon corset, tu me gaines tout ça. Tu portes une tenue, soit de chez Zara, H&M, ou tu portes un truc qui est réellement sorti du magasin avec la facture sur la table. Il est hors de question que des gens réfléchissent pour dessiner des modèles de sacs et de t-shirts et que tu te permets d'aller dans un, je sais pas moi, porter des conneries et te faire passer pour une riche. À la différence de toi, en fait, je vais jamais traiter mon semblable de pauvre lot. Ouais, parce que nous sommes tous égaux sur cette terre. Il y a un temps pour tout le monde. Il y a un temps pour tout le monde. D'autres vont plus vite, d'autres font tout doucement, mais ils rattrapent souvent. Personne. Même pour me justifier à venir sortir des documents, je ne l'ai jamais fait. Certains appellent ça la peur. Moi, j'appelle ça l'élégance. Je ne jouerai jamais au jeu de gâte-gâte, en fait, avec une moins que rien comme toi. Oui, tu es une moins que rien. Le perroquet. Le perroquet. J'ai pas de problème avec toi.
Tu fais ce que tu fais de mieux. Répéter. C'est pour ça que tu as un perroquet, non? Alors fais-le. Répète. Répète après moi. Je ne suis pas venue en France pour être un perroquet. Je suis venue en France pour avoir ma vie et ma destinée. Répète. Répète. Lolo Beauté, si tu veux t'adresser à moi à la suite de ce direct, je t'en supplie. Soit porte-moi un beau H&M, une belle robe de chez H&M. Ou si je porte de la marque, tu me portes un truc original. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect en portant du fait pendant que je porte que du vrai. Ok? Ok? D'accord. Take care.